Alors, le sport, après sa victoire 14-0 contre Gibraltar, l'équipe de France de football est redescendue sur terre en faisant match nul contre la Grèce. Eh ouais. Et oui, match nul, oui. Parce que c'est plus dur de jouer au foot contre des footballeurs, en fait. Parce que Gibraltar, en fait, c'est pas pareil. Gibraltar, l'invention, il est boulanger. Alors, autant en baguette, il est fort, autant au foot, il n'est pas... Le défenseur central, il est pompiste, je crois. L'ailier droit, c'est le maire. Alors, le problème, c'était le gardien de but, il est rabbin. Et du coup, le samedi, il n'avait pas le droit de faire de sport. Ça explique plein de choses. Alors, c'est vrai que quand on voit l'équipe principale de Gibraltar perdre 14-0, on s'est tous posé la même question. Si ça, c'est les valides, à quoi ressemble l'équipe paralympique? Les personnes de Gibraltar. Cette semaine, justement, c'était la semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Ouais. L'un des principaux enjeux est l'accès de tous aux nouvelles technologies. Oui, parce qu'il y a plein d'applis qui ne sont pas adaptées aux handicapés, aux personnes en situation de handicap. On ne dit pas handicapés, des personnes en situation de handicap. Par exemple, Tinder. Vous voyez Tinder? Parce que pour les non-voyants, par exemple. Vous voyez pas Tinder? C'est normal, elle est en couple, elle peut pas voir. C'est Raphaël vous expliquera. Raphaël, il voit très bien. Il est sur Tinder. Eh oui. On soit hyper, on est tombé. Oh, dis donc, mais on connaît cette tête. Et voilà. Non, mais si tu es non-voyant et que tu swipes comme ça, ben, tu vois pas. Donc c'est au hasard. Et en fait, la rencontre se fait au moment du premier. Donc il est là, il fait. Ah, tu es venue avec ta sœur? Ah non, c'est toi aussi. Oh, mais tu es nombreuse. Et là, forcément, il y a une déception. Nombreuse. Un mot sur Paris, les JO. Anne Hidalgo s'est dit pessimiste à propos des transports et de la mise à l'abri des personnes sans domicile fixe pour les JO de 2024. Elle a déclaré, on ne va pas être prêts. Ah oh ben, dis donc, c'est étonnant, là. Vraiment, on tombe des nues avec cette déclaration. Non, c'est là qu'on voit le grand sens politique de Anne. C'est qu'elle pourra dire, oui, mais j'avais prévenu. Voilà. Alors, en même temps, c'est normal, parce que ça fait 7 ans qu'on sait qu'il y a les JO, donc on a été pris un peu de court. Tu vois, d'un coup, on a réalisé... Ah, mais c'est vite! C'est l'année prochaine. Alors, concernant les SDF, j'ai pas que des bonnes nouvelles. Alors, Anne Hidalgo parle de mise à l'abri. Alors, moi, j'ai fait Hidalgo Langue Vivante 2. Et en fait, mettre à l'abri, ça veut dire qu'ils vont dégager en province. En fait, ça va être comme une classe verte, mais de la misère. Alors, l'autre solution qu'on peut faire, je propose, je dis pas que c'est bien... vous voyez les box de bouquinistes là qui veulent enlever. Est-ce qu'on pourrait pas cacher les SDF dedans pour les ranger? On les range comme des chocolats, comme une boîte de Kinder ou comme un calendrier de l'Avent. On les dispose et on ouvre. Enfin, oh, tiens, il y a Jean-Louis. Non, ça passera pas cela. Elle passe pas cela. Non, de rire, il faut s'en occuper. Elle, ça, elle passe pas. Celle-là, elle passe pas. Elle passe pas, non, mais il y en a plein qui passent pas. Là, c'est comme du saut en hauteur, quand on voit que le short touche, la barre, elle tremble, et puis on se dit, ça passe ou pas? La SNCF souhaite installer des espaces de téléconsultation médicale dans environ 300 gares d'ici 2028 pour lutter contre les déserts médicaux. Oui, en voilà une belle initiative. Non, mais c'est pratique d'avoir un rendez-vous médical dans une gare. Par exemple, si on te diagnostique, par exemple, une gastro-entérite explosive. Là, t'as ton train pour... T'as ton Lille-Nice. Ça fait 9h30. Tu dis non, je vais repousser d'une semaine. Après, alors, faut reconnaître que mixer médecine et SNCF, ça risque de créer des petits flottements pour, sur les quais pour certaines personnes. Bonjour, monsieur Paul de Saint-Cernin sera reçu sur le quai 6 à 9h31 pour ses chlamydia. Les résultats du patient du quai 3 sont arrivés, c'est bien le pancréas. Stade 2 avec Robert Chapat. Non, je déconne, c'est un stade 6 sur une échelle de 5, c'est très rare. Si vous avez toujours rêvé d'aller à Venise, c'est le moment, le train pour Vintimille partira à 11h23, voie 4. Cette semaine, s'est ouvert le procès de Monique Olivier, l'ex-femme et complice présumée de Michel Fourniret. Oui, alors elle va être Monique, elle va être jugée pour enlèvement avec complicité d'enlèvement et meurtre.
Michel et Monique, c'est un peu les Brad et Angelina de la chronique judiciaire. Ils font la une des journaux et eux aussi, ils ont accueilli chez eux plein d'enfants qui n'étaient pas à eux. Oh. La seule différence, là, il y a des différences quand même, c'est que Brangelina fait la une de Gala et les Michonik, ils font la une de Nouveau Détective. Voilà. Alors bien sûr, l'implication de Michel Fourniret dans cette affaire relance évidemment l'éternelle question, le serpent de mer des débats de société qui ressurgit quand il s'agit de pédophilie. Faut-il faire des enfants ? Alors c'est un peu radical comme solution, hein. Alex a répondu non, oui. Mais force est de reconnaître que sans enfants, plus de pédophiles, parce que les pédophiles erraient comme ça dans les cours d'école vides. C'est la solution. Ils seraient comme une influenceuse au musée du Louvre, ou Gérard Larcher. Ou Gérard Larcher chez Basic Fit. Il ne saurait pas dire « Ah non, Gérard, on ne mange pas les pois de 14. Ah, » ben voilà. Il a bouffé les pois de 14. À Strasbourg, une voiture a été transpercée par un objet non identifié. Beaucoup ont cru qu'il s'agissait d'une météorite. Bien sûr. Mais finalement, c'est peu probable. Ah, l'Alsace, ça pour une choucroute. Ses jolies cigognes, son marché de Noël et sa pluie de météorites. Non, bien sûr que non, ce n'était pas des météorites. Alors, la voiture n'a pas été perforée par une roche de l'espace, bien sûr. C'est sans doute la bonne explication. Il paraît que ce serait un bloc de glace venant d'un avion. Donc du pipi, quoi, en fait. Et le reste aussi. La photo, là, de voiture. Alors, ou c'est peut-être un simple connard aussi qui a acheté un caillou depuis le pont, on ne sait pas. Alors, un gros caillou. Hein. Un gros caillou. Ah ouais, un gros caillou. Alors, contrairement à ce qu'on a pu lire sur Internet, la créature étrange qui, avec une démarche bizarre et un langage inconnu retrouvé près du véhicule, n'est pas un extraterrestre. Et c'est juste un Alsacien qui avait un peu trop tiré sur la Fischer Gold. L'Alsacien, c'est déjà pas évident quand ils sont sobres. Mais pourri, tu le comprends plus, l'Alsacien. Et ça, à Jean. Allez, on termine avec du cinéma pour finir. Oui. Et alors, le nouveau film de Ridley Scott sur Napoléon. Alors, il ça, divise. Voilà. Il divise. Alors, tout le monde n'a pas aimé, voilà. C'est surtout les puristes qui n'ont pas aimé. D'où le bonheur d'être con. Tu vois, quand t'es con, tu vois pas le puriste comme Stéphane Bern, il va dire « Le costume rouge de Napoléon est bien entendu celui du premier consul. En revanche, c'est inadmissible. Le costume de colonel à cheval n'a pas les épaulettes au bon endroit. Ça m'a sorti du film. C'est inadmissible. » Alors que... Le con comme moi qui regarde Napoléon, il va dire « Sont bons les pop-corns !» Merci, merci Philippe, merci à vous. Bien, merci.